Salamat Pagi, ça veut dire bonjour ici. Et ici, c'est Bali. C'est joli, c'est magnifique. Nous voilà repartis quelque part dans le monde avec un moteur entre les roues. Ni moto, ni quad, ni buggy. On change, on innove. On va faire Bali en scooter. Grâce à un Français qu'on a rencontré ici, qui s'appelle Fabrice. On est parti hier, à travers cette île magnifique. Et maintenant, il est indonésien. Il est marié avec une indonésienne. Il va nous raconter un petit peu sa vie. Puis surtout, il va nous faire découvrir toutes les merveilles qu'il connaît. Il organise des tours en scooter. Ils sont très peu à faire ça à Bali. Et vraiment, c'est la bonne rencontre. C'est vraiment un bon gars. Il s'appelle Fabrice. Et grâce à lui, on va découvrir tout ça. Et on vous emmène avec nous. Ça, c'était la bonne nouvelle. L'endroit de fou, ouais. Oh, j'adore. Tranquille. Ah non, mais c'est magnifique. Fabrice, je vous en parlais. Voilà. Salut. Fabrice était français, maintenant il est indonésien, c'est ça? C'est ça. Depuis janvier. Depuis janvier? Depuis janvier. T'as ton passeport? Passeport, carte d'identité et tout. Enfin, pour un indonésien, il parle drôlement bien français. Ou alors c'est moi qui comprends bien l'indonésien. La totale. Salamat Pagi, Fabrice. J'ai envie de te dire, combien ça fait de temps que t'es arrivé ici? 14 ans. Oh. Toi, tu as monté une boîte qui s'appelle Bali Balo Tour Motors. C'est ça. Hein, c'est ça. Et tu loues, ton cœur de métier, c'est quoi? Tu loues des deux roues ou tu emmènes les gens faire un petit tour à travers Bali? C'est les deux. Au départ, c'était effectivement que la location. Et puis, petit à petit, le plaisir de rouler et de faire partager ces petites balades un peu partout, c'est devenu des randonnées à travers l'île, voire le pays. C'est vrai que moi, c'est ma première fois à Bali. J'en ai entendu parler comme d'un petit paradis. J'imaginais une île avec des plages, enfin, tu vois, tel qu'on imagine. C'est divers, varié, que ce soit des rizières, des plantations, de tout ce qu'on veut, du clou de girofle, comme on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Le cacao, le café. Ouais, il y a tout ici. Et demain, alors, c'est quoi le programme? Demain, ça va être un peu plus long. 240 km au programme. Ouais. Voilà. Paysage varié, pareil? Complètement différent. Ok. On va traverser un petit peu des montagnes. Mais surtout un petit endroit qui s'appelle Tatiwi, des rizières à perte de vue. Si on a la chance d'avoir un rayon de soleil, c'est que du bonheur. C'est le programme pour demain. J'aimerais bien un tout petit peu et Kitchil est pour 100 000. 100 000. Donc, regardez, 100 000, c'est cher. 100 000. Bon, ça fait 7 euros pour vous, hein. Mais pour nous, c'est très cher.
est à quelle altitude là, Fabrice? Là on est à 1400 mètres. Ouais. Ouais, il fait un peu frais hein. Dans la région de Mundouk, juste au-dessus des lacs. Donc on a le lac Bouyan et Tamblingan juste derrière nous. Tu m'as dit qu'il y en avait trois, il est où le troisième? Le troisième c'est le lac Bratan qui est juste derrière sur Bédougoul. On va continuer sur la crête et en descendant, traverser une petite forêt, on arrivera sur le troisième lac. Dis donc, on a de la chance avec le temps. Hein. Hein? Il y a un petit rayon de soleil. Ah, c'est ça trop fait bien, pas ça. De mal. Hein. Eh, café? Allez, café, c'est parti. 8h30 du matin. Tu vois, regarde la différence. La différence entre un néo-indonésien et un français, c'est que regarde nous, on est en t-shirt. Et regarde eux, ils ont la doudoune. La doudoune. Bientôt les sports d'hiver. C'est ma tournée. Yes, okay. Petit café du matin. Petit café. Café sucré. Ah ouais. Ouais, parce que ce matin, tu vois, Fabrice. Ouais. Ce matin, c'est, je sais pas, c'est, tu vois, il y a une espèce de remise en route là. C'est, tu vois, le scooter, c'est bien, ça swing bien, mais il n'y a pas le, tu vois, le. Et bien. En fait, ce qui manque, c'est ça. Un bon café. Tiens, plus petit café. Regarde. Ah, ce paysage. Ah mais c'est fantastique. Donc ça c'est le volcan. Ouais. C'est... Mais il y en a combien des volcans ici? Il y en a. Enfin sur Bali, il n'y a que celui-là? Non, on en a trois volcans. Batu Karu, le Batu Karu. Et le Batur. Et ça c'est le Batur. Voilà. Ouais. Quelle altitude? Il y a quelqu'un qui sait? 1717 mètres. C'est tout Fabrice. Fabrice c'est notre guide, il sait tout Fabrice. Non mais lui il est arrivé avant toi, t'es arrivé quand Jean-Michel? Ah, moi je suis arrivé il y a 5 ans moi. Je suis arrivé il y a 5 ans et je suis resté pour ça en fait. Ouais, tu viens d'où je viens de la mode, je viens de Paris, de la mode, j'ai travaillé avec des grands créateurs. Ah bon? J'ai eu cette chance, oui. Avec qui? Avec Jean-Paul Gaultier, Paco Rabanne. Sans blague, tu connais Madonna? Oui, je l'ai vu. Ah, sans blague. Ouais, et mais qu'est-ce que tu fais? J'ai tout lâché, je suis venu en famille ici et puis j'ai monté ma propre collection de sacs parce que on est tous uniques, les femmes sont uniques, les hommes sont uniques, donc j'ai fait des sacs uniques pour chaque personne. Oui, par exemple, voilà. Et ça, c'est voilà. Pas du bout de mot, voilà, hein. César et Louise, voilà. C'est la marque. Et voilà. Ça, c'est c'est la série spéciale pour le Bali Tour avec Bali Balo Motor de Fabrice. Exactement, c'est une série spéciale que j'ai fait pour nous. Et ils sont top, hein. Franchement, ils sont top. Bah, merci, c'est gentil. Bon, on est plus spécialisé dans la femme et c'est en fait, je recycle des jeans. Mais je vous montrerai ça, j'ai monté ma petite fabrique. Bah d'ailleurs, avec grand plaisir. Bah tu vas nous emmener au marché, voir comment tu choisis tes tissus et nous montrer ton atelier. Je vous montrerai tout avec grand plaisir, vous verrez ça. Sac unique. Tu vois Alex, nous sommes dans le marché de Denpasar. Nous venons avec Eric, ici présent, mon associé, mon chef de produit. Nous venons une à deux fois par semaine chercher les tissus intérieurs de nos sacs. Que l'intérieur. Il est vrai qu'aujourd'hui, vous allez venir avec nous et avec Eric, on va choisir l'extérieur pour la première fois de nos sacs. Et là, c'est un endroit vraiment spécifique dans Denpasar. Il n'y a qu'ici qu'on trouve ce marché aux tissus ou il y en a plusieurs répartis? Oui, il y a plusieurs endroits où on peut acheter du tissu, mais ici, c'est assez concentré, c'est plus facile. Ah, Eric. Et après tout ça là, ces tissus, il est où l'atelier? Ah ben ça je vais vous y emmener. Ah ouais? Ça c'est pas mal. C'est Yeah!
Non, c'est Yamaha au cheval. Alors, 140. La banque d'eau. Bah oui, quand même. Même au Monopoly, ils n'ont pas osé. Hein. Un billet de 100 000, c'est le plus gros qu'on puisse trouver ici. C'est le plus gros, ouais. 100 000. Et t'as la moitié. Et des billets de 50 000. Oh ben, un café, ça doit être ça, hein. ça doit coûter ça, un café au bar, un bar classe. Alors, là, tu as deux expressos. Ah, quand même. Deux expressos, à peu près 25 000 avec les taxes, oui. Ça se trouve, il y a un de mes jeans là. Il est possible que tu aies mis peut-être tes fesses dans un de ces jeans. Oui. Oh, c'est tout moi ça. Oui. C'est incroyable. Non, ça non, ça en revanche, non. Ça c'est non, pas mon style. Je pense que c'est plus non. De ce côté-ci. Tu vois, le petit sac de voyage comme ça. Non, c'est génial. Sans blague, le concept est très original. Ah, et puis alors, le produit fini, magnifique. César et Louise. Voilà, je veux dire, que demande le peuple ? Quand on voyage avec Fabrice, avec Bali Balo Motor à travers Bali, en scooter, ben voilà où on passe la nuit, dans des endroits incroyables, des petites perles comme ça disséminées partout dans le territoire. Hier, c'était au milieu des rizières, et là, c'est au bord de l'océan. C'est absolument merveilleux, c'est magnifique. Avant de rattaquer une nouvelle journée qui nous attend, on va faire peut-être 200 km encore à travers des paysages incroyables. Alors ce qui est bien, c'est qu'il nous fait la surprise, on ne sait jamais ce à quoi on va s'attendre. Mais en tout cas, ce qui est certain et ce dont on est sûr, c'est qu'on va en prendre plein les yeux. J'ai l'impression que je suis en retard. Salut les gars. Salut. Ça va? Je suis à l'heure? Impeccable. J'ai eu chaud. Prêt à partir? Bah justement. Alors comme je disais, Fabrice nous fait toujours la surprise de savoir ce qui nous attend dans la journée. Est-ce qu'on peut savoir, maestro, ce qui est au menu et au programme aujourd'hui? Bah aujourd'hui, ouais, on a un petit 200 km à faire. Je m'en doutais. On va passer par les piscines royales. Ah, ça c'est... Kirtaganga, c'est sympa. C'est... J'ai pas mon maillot, c'est pas grave. C'est pas grave, ils fournissent maillot et serviette, il n'y a pas de souci. D'accord. Après, on va se faire une petite balade dans les rizières et on va finir sur Ahmed. Alors là, Ahmed a tombé par terre. C'est vrai ? Ah ouais, sympa.
Ah, c'est magnifique cet endroit. Super. On vient d'arriver à la côte est de Bali, Amed. Amed ? Voilà, petit village de pêcheurs et toute la côte, c'est que les petits villages de pêcheurs. Avec le sable noir caractéristique des îles volcaniques. Tout à fait. Ça, on retrouve aussi à La Réunion, que tu connais bien d'ailleurs. La Réunion. Ah ouais, c'est pareil. Ou du sable noir ou des galets. Un peu plus loin, on aura des galets. Trois petites choses ici. Village de pêcheurs, plongée. Il y a une épave d'un bateau américain qui s'est échoué pendant la dernière guerre. Et le troisième, c'est le sel. Alors là, c'est le début de la saison touristique, mais il n'y a personne, c'est normal. Voilà, on est plus sur le coin de rencontre des pêcheurs, la criée qui est derrière nous. Ouais. Et donc les touristes sont un petit peu plus loin si on en trouve. C'est très local. Voilà. Ouais, et puis je trouve que c'est super propre, c'est bien aligné. Regarde, je sais pas si c'est un trait de la population, mais c'est vrai qu'en Asie, les gens prennent un soin particulier à l'endroit où ils habitent. Hein. À l'endroit, aux couleurs, ils sont très... Ouais, très jolis. Très pointus. Ah, regarde cette plage avec tous les bateaux alignés, là. Il n'y a personne, il n'y a pas un touriste. Ah, c'est génial, j'adore. Hé, hey, l'eau, elle est à combien, cette période de l'année, là ? 30 degrés ? Bon, à plus tard. Tu coupes ? Merci. À tout à l'heure. Donc là, elle fait frire des petits piments et des tomates. Ouvre tes narines un petit peu, là. Merci. On s'est arrêté où là ? Là on est à Lombong. Lombong ? Lombong, un petit village. Un petit village. Petit village traditionnel. Ouais. Le chef du village est derrière nous. Donc on va aller boire le café avec lui. Super. Il s'appelle Rudy. Rudy. Sa femme s'appelle Ilou. Voilà. Et ces chefs du village, comment ça se passe ici ? Ils sont élus, c'est comme chez nous ? Il y a deux chefs dans chaque village. Il y a le chef traditionnel qui est élu par les gens du village et le chef du gouvernement. Qui en fait est élu aussi, mais ouais. C'est des partis politiques, quoi. Ouais, désigné par le gouvernement. Voilà. D'accord. Quand se déroule le prochain combat de coq ? Et où c'est ici. Le prochain combat, c'est cet après-midi. Si c'est coq perso, à lui, ça fait du pas.
Ah, voilà. C'est les coqs là qu'on entend là. Voilà, on les entend et les sacs rouges, bleus, en fait c'est chaque famille a son coq. Et pour les... Ah ils sont dans les sacs les coqs de combat. Voilà, dans les sacs. Oui, les petits trous pour, bah oui, pour qu'ils respirent. Ou dans les paniers en osier. Ils sortent les coqs et ils font les plantations. Donc, si tu les suis un petit peu, tu vois, ils sont en train de les regarder. Quand il y a un petit peu une petite attirance, ils les mettent l'un en face de l'autre, ils chauffent un petit peu. Et s'ils sont ok entre les deux propriétaires pour faire les paris, ils vont les équiper. Donc après ils sortent les lames. Voilà, ça y est, ça va commencer là. Bon alors en fait effectivement pour des Français, pour des Occidentaux, ça paraît un peu barbare. C'est vrai qu'on voit les lames. On imagine qu'il y en a au moins qui va y laisser sa peau. C'est un animal quand même. Mais ici ça fait partie de la culture, c'est traditionnel. Donc c'est un spectacle, tout le monde parie et ça se pratique partout. Donc il n'y a pas de jugement à porter, c'est ça le voyage. Hein. C'est que le voyage, c'est découvrir comment ça se passe ailleurs. Et on n'est pas là pour faire du prosélytisme. Je crois qu'il faut dégager la piste, là, ça va être le moment. Ah, c'est dur à regarder. Hein. La balade qu'on a faite à Bali, grâce à Fabrice, grâce à Jean-Mi, également deux Français, indonésiens maintenant, un ex de la mode qui relance sa marque et ça va cartonner parce que c'est vraiment bien, ouais, César et Louise. Et puis Fabrice, Bali Balo Motor, si vous voulez venir à Bali, restez pas sur la plage, enfin profitez-en aussi, mais faites un petit tour derrière la plage parce qu'il y a un pays merveilleux, une île merveilleuse qui vous attend. Et puis Fabrice, c'est l'homme idéal pour vous faire découvrir. Voilà, balibalomotor.com, c'est la bonne adresse. En tout cas, nous, c'est celle qu'on a expérimentée pendant toute cette semaine à Bali. Merci encore. Avec plaisir. C'était vraiment, comme on dit ici, terimakasi. Terimakasi. Et quand tu veux, tu n'as rien. Sama. On viendra peut-être avec vous. Salut, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve quelque part dans le monde, comme d'habitude, avec un moteur entre les roues. Bonne route.